Denis Brognard doit beaucoup à Koh-Lanta. Si l'émission d'aventure de TF1 lui a permis de devenir l'un des visages emblématiques de la chaîne, elle lui a surtout permis de rencontrer la femme de sa vie, Hortense. C'est sur le tournage de Koh-Lanta que leur histoire d'amour a commencé. Ils se rencontrent dans les couloirs de LCI, discutent voyage, raconté par Imatch à l'été 2019. Le feeling est passé. L'animateur a même eu un véritable coup de foudre. Outre leur métier de journaliste, Denis et Hortense Brognard semblent avoir beaucoup de points en commun. Naturellement, il lui propose de venir sur le tournage de l'émission. Ce sera le début de leur belle idylle. Nous sommes en 2003. Depuis, les deux tourtereaux sont inséparables. C'est d'ailleurs avec elle que Denis Brognard a réalisé son rêve d'enfance de gravir le Mont Blanc. Et surtout, ils ont eu trois enfants, les jumelles, Violette et Lily, 14 ans et Blanche, 12 ans. Une jolie tribu complétée par Dimitri, 19 ans, le fils de Denis Brognard, né d'une précédente relation. La discrétion avant tout, c'est un couple très discret. Pas question de s'afficher sur les réseaux sociaux. Nos confrères de Paris Match se sont donc intéressés à Hortense Brognard. Cette femme de 42 ans a tiré un trait sur sa carrière de journaliste, au profit d'une étonnante reconversion. Il y a 7 ans, elle s'est mise à la taxidermie, rapporte le magazine. Et de préciser, rien de surprenant pour cette amoureuse de la nature et des animaux. En effet, déjà enfant, elle était passionnée par les animaux empaillés. Si bien qu'elle adorait aller avec sa mère chez Dérol, le temple des animaux empaillés dans le 7e arrondissement de Paris. En revanche, Hortense Brognard s'est imposé une ligne de conduite, pas d'animaux issus de la chasse, ni de chats et de chiens. La taxidermie n'est pas l'unique source de revenus de l'épouse de Denis Brognard. Passionnée de déco, elle s'est également lancée depuis un an dans la confection de tentures, avec une amie. Des métiers manuels bien éloignés de sa profession initiale. Crédit photo, Bestimage.